Ouais, salut à tous. Ouais, c'est encore moi. Voilà, vous n'êtes pas dans un concert, bien évidemment. Je ne vais pas vous chanter Bella. Et plus ou moins, je ne suis pas Maître Gims. Voilà, une petite rigolade. Ouais, je suis en intervention à Arcancy pour un nid de frelons européen qui se trouve juste derrière moi, là, au niveau de la petite fenêtre. Voilà, le requérant, il m'a appelé parce que hier soir, en sortant de sa maison, il s'est fait piquer. Malheureusement, au bord de l'œil, ouais, il est parti en urgence à l'hôpital pour avoir des soins. Voilà, aujourd'hui, il a l'œil gonflé. Je vous rappelle encore, soyez vigilants de vos déplacements parce que le frelon asiatique européen s'installe n'importe où. Voilà, faites attention. Je vous dis à tout de suite parce que je vais me préparer. C'est bon? Ouais, c'est parti. Moi, bon, je suis équipé. Voilà. Le nid de frelons européens, je sais pas si vous m'entendez, il se trouve derrière la fenêtre. D'accord. Allez, je vais enlever avec le pile-biche. Je vais vous faire attaquer, hein. Voilà, le nid se trouve, comme vous pouvez le voir, il se trouve derrière le volet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter. Ah, je me fais attaquer, hein, c'est normal. Comme vous pouvez voir, les différentes galettes. Avec les galettes. Là, ce qui est en blanc, ce sont les larves. Ah, je vais pas attaquer là. Voilà, je vais traiter, je vais laisser agir le produit pour que ça se calme.
pas très gros, mais il y en a beaucoup. Ouais. C'est un petit nid, mais il y en a pas mal qui volent. Comme je vous disais, le frelon s'installe n'importe où. Il va s'installer derrière un volet. Soyez vigilants vers vos déplacements. Ok. N'agissez pas tout seul. Faites appeler un professionnel. Ça éviterait des accidents bêtement. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro. Le frelon européen.